Salut, ici Coquine, ton renfonceur. Nous reprenons. Je te la prends, puis délicatement je la porte à ma bouche, très lentement, pour que tu en aies très envie. Ta sève monte lentement. Comment ça et moi? Ah oui, moi, oui, ah oui, oui, oui. Alors moi, la sève prend le même chemin et atteint la corolle. Comment ça, pas assez cochonne? Alors, Flora déboutonne son corsage. Il s'en échappe un énorme mamelon. 5 kilos au moins. 5 kilos, ils exagèrent. Ça pèse pas 5 kilos. Oh, peut-être la peur, je sais pas, mais enfin. Enfin, bref. Enfin, un très gros sein qu'on avait envie de peser tant il était. Tu veux une balance? Ah non, maman, pas toi. C'était long, ça? Ta passion pour le piano? Eh ben, c'est du propre. Mais tout le monde le fait maintenant. Il y a des Minitel, et puis il y a des annonces dans des journaux très très bien. Raconter les saletés, les pauvres types. C'est un nouveau métier. Ça fait de mal à personne. C'est juste au téléphone. Comme ça, on n'attrape pas de maladie. Et tu as attendu 40 ans pour te découvrir cette vocation. Tu peux pas savoir combien j'ai souffert depuis l'accident de Garibaldi. Et Charles, tu crois qu'il fait des prouesses? Je raconte pas de saletés au téléphone, moi. Mais tu as 100 ans, maman. Tu es bien, mais... T'as quand même 100 ans. Moi, j'ai ma vie devant moi. Oui, d'accord, elle est derrière, mais enfin, je veux vivre, j'ai besoin de vivre, maman. Eh ben, prends du bromure, comme tout le monde. Nous sommes légion à prendre du bromure. Maman, ça a très mauvais goût, le bromure. Avec un peu de lait, ça passe très bien. Ben oui, alors écoute, je te propose un marché. Oh, je suis pas une marchande de tapis, hein. Bon, d'accord, eh ben alors un pacte, c'est ça un pacte. Eh ben, je t'écoute. Je prends du bromure avec un petit peu de lait, parce que c'est quand même moins mauvais, et je continue. Quoi? Si j'ai un quoi? Quel quoi? C'est crapaud pervers. Il a un vocabulaire très très riche. Cochon. Oh oui, c'est lui. Il va sûrement rappeler. Hein. Je te confisque le téléphone demain. Oh, oh non, non. Tu veux une pierre de claque? Mais non, maman. Mais enfin, que va devenir crapaud pervers, fouineur malade et museux qui flaire? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais je m'en moque de ta ménagerie. Oui. Mais sont mes clients, ils ont besoin de moi. Eh ben, je débrouillons, tout seul. Ah, oui. À propos, j'ai oublié de te dire, il y a encore une alerte. Hein? Oui. Dis-moi, Jacqueline. Oui. Tu me rejoins au château. Hein? Oui, d'accord.